Ça y est, j'ai enfin reçu ma décalcomanie de Lyon que je vais mettre sur ce t-shirt-là. Donc ça, c'est un t-shirt qui a la base rose que j'ai taché avec une tache de ketchup qu'on voit encore ici. Et du coup, j'avais teint en noir, mais du coup, ça a fait du gris. Et l'objectif, c'est de cacher la tache avec ma décalcomanie. Et on est reparti pour un tour. Bon, on va tenter le coup. J'espère que c'est bien positionné. Donc voilà, il n'y a plus qu'à laisser refroidir et on verra si le produit final est intéressant, si cette décalcomanie vaut le coup. Donc voilà le produit final au niveau de la décalcomanie que j'ai faite. Donc là, je vais le porter aujourd'hui. Je vous fais mon look tout de suite et comme ça, on verra, je vous dirai à la rigueur dans une vidéo si ça a tenu ou pas. Bon, et ben, fin de la journée, fin de la vie, fin de cette vidéo. Du coup, le flocage a tenu au moins une journée, donc c'est déjà pas mal.